Bonjour, je suis Stéphane Guillon, professeur de piano à l'école de musique Parthenay-Gâtine. Donc je vais vous montrer et vous expliquer rapidement le piano. Alors le piano est un instrument à cordes, mais à cordes frappées. Voilà. Il faut savoir que ici vous avez les touches. Quand on appuie sur la touche, il y a le marteau qui se lève et qui va taper sur la corde, et ce qui va former un son. Donc, c'est pour ça que je vous montre une harpe, comme ça, c'est un peu plus simple pour comprendre. Le marteau, il va frapper la corde, ce qui va faire vibrer la corde, voilà. Et plus la corde est grosse, plus le son sera grave, c'est-à-dire comme ici. Plus la corde est petite et fine, plus le son sera aigu. Voilà, donc pour expliquer, la harpe est couchée dans le piano et vous avez le marteau qui va taper sur la corde et ce qui va faire un son, le son, voilà. Ce qui est très intéressant dans le piano, c'est un instrument très très large dans le style. On peut très bien commencer par de la musique classique. De la musique romantique avec Chopin. De la musique un peu plus active, de la musique fin du 19e, de la musique russe. De la musique du 20e siècle, je pense à Claude Debussy. Évidemment, du jazz. Donc un instrument où on peut jouer de Bach à nos jours. Au revoir.